Bonjour, donc je suis Benoît Nard, chargé de développement à la PAV. J'ai donc participé à la mise en place de cette formation Proxinova PAV concernant les applications collaboratives robotisées. Donc alors pourquoi cette formation? Tout simplement parce que la sécurité dans les applications collaboratives, hein, c'est quelque chose de primordial puisqu'on met les robots au milieu des personnes dans les usines. Alors, l'intérêt pour les industriels de suivre cette formation, c'est à la fois pour les utilisateurs de maîtriser à la fois leur cahier des charges qu'ils vont émettre auprès de leurs fournisseurs pour créer une application collaborative, aussi connaître le contexte, voir si les caractéristiques de l'application vont leur permettre de mettre en œuvre l'application, c'est-à-dire les cadences envisagées, le type d'effecteur qu'on va mettre à l'extrémité du bras robotisé, etc., toutes les caractéristiques d'application. Et puis à la fois pour les fabricants, de connaître les règles de mise sur le marché, les règles de mise en œuvre du marquage CE, les référentiels de sécurité, et bien sûr, pour l'utilisateur et pour les fabricants d'ailleurs, le principal de ces applications étant l'analyse de risque, de maîtriser le processus d'analyse de risque de ces applications un peu particulières dans les machines industrielles, je dirais, conventionnelles. L'intérêt de faire une formation Proxinov à PAV, c'est que Proxinov apporte la technologie des robots industriels, apporte leur savoir sur la technologie des robots, et nous, on va apporter l'aspect réglementaire pour évaluer et mettre sur le marché une application collaborative conforme et bien sûr l'aspect sécurité qui est très important sur ce type d'application.